Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. C'est Rebecca sur le plateau ce soir avec vous. Et donc, je voulais parler du lait bio pur. Ça fait 2 ans de cela que j'utilise ce lait. Alors là, ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu une peau très grasse. Alors, j'avais beaucoup de boutons sur le visage dès ma jeunesse. J'avais beaucoup de boutons. Et donc, qu'est-ce que je n'ai pas mis sur mon visage pour m'en débarrasser jusqu'au jour où je suis tombée sur ce lait bio pur Paris. Alors là, les filles, je vous assure que ce lait aide vraiment. Il combat contre la réapparition des boutons. Vous pouvez voir mon visage, comment il illumine, comment il éclaire. C'est grâce à ce lait. Depuis que j'en ai, je ne mets pas de sérum à l'intérieur. J'utilise tout simplement le lait sans mélange. Ça éclaire, c'est naturellement. Pas d'hydroquinone. Donc voilà, pour tous ceux-là qui ont des problèmes de peau, pour tous ceux-là qui ont des boutons, pour tous ceux-là qui ont des taches, je vous recommande d'utiliser bio pur par alors là. C'est un très bon lait. Et là, je veux passer au commentaire personnel de ce que j'ai vu de ce lait. En fait, c'est un lait vraiment, vraiment bien parce que quand tu l'appliques sur la peau, ce n'est pas le genre de lait. Quand tu l'appliques, c'est huileux, tu dois frotter le visage longtemps pour voir que ça pénètre. Non, c'est vraiment c'est assez clair. On va passer au test. Voilà, j'en applique un tout petit peu et vous verrez avec moi comment le lait pénètre facilement sur votre. Voilà. J'ai appliqué et vous pouvez le constater avec moi que c'est vraiment rapide, une pénétration rapide, c'est parti. Ça n'a, c'est pas huileux du tout. Vous voyez comment c'est bien, c'est clair, c'est net. Alors, les filles, il faut pas non plus s'imaginer que comme c'est un lait éclaircissant, que donc voilà, vous allez brunir comme je ne sais quoi, ressembler peut-être à une carotte. Non, ça a de l'efficacité. Vraiment de l'efficacité, ça éclaircit le visage, ça illumine le visage. Donc, il ne faudrait pas s'imaginer ou le comparer peut-être à des laits avec hydroquinone que nous utilisons tantôt. C'est un lait vraiment naturel qui fait vraiment son travail. Il enlève des taches, des points bruns, des points bruns, des taches brunes sur le visage. Et aussi, il éclaircit et illumine votre peau. Voilà mon visage ici, je n'ai pas mis de make-up, je n'ai pas mis de poudre, je suis là, naturelle. D'ailleurs, j'ai fait du boulot, je suis fatiguée, du coup, je me suis dit, bon, écoute, il faut bien faire une vidéo. Et donc, voilà, je vous conseille fortement ce lait, essayez. Et c'est pas difficile à en trouver en Afrique, déjà, vous pouvez le payer. Parfumerie, ils en vendent, je crois, 5 000 à 6 000 francs, j'en ai vu sur eBay. Et... sur Amazon, je crois, c'est pas si cher du tout. Et moi, ici, je fais les commandes en ligne. Je crois que je les trouve en France. Il est en France, c'est un petit problème. Je pense que vous en trouverez là-bas. Et ce qui est bien, c'est que c'est testé dans les laboratoires. Je dirais pas qu'il n'y a pas de danger parce que ils ont fait des recherches pharmaceutiques, des laboratoires biopharma. SA et grâce à un triple mécanisme d'action, le lait crème éclaircissant de l'eau pure avec ses principes actifs blanc, la biosynthèse et la production excessive de la mélanine, pigment noir responsable de l'apparition des taches brunes et points noirs de la peau. En tout cas, ça c'est la vérité, c'est pas le mensonge. Pour une personne qui a eu beaucoup de boutons comme moi, je pense que je devrais avoir aussi beaucoup de taches sur mon visage. Mais depuis que j'applique ce lait, je n'ai pas de problème. Mon teint est stable, que ce soit en hiver, en été, au printemps, en automne, déjà maintenant, automne. Je n'ai pas de problème avec le soleil à carbone du Colorado. Je n'ai pas de problème avec ce lait. Il supporte la chaleur. Tu n'as pas de problème. C'est pas comme d'autres laits. Quand tu le mets, quand il fait chaud, tu transpires. Tu ne peux plus. Tu dois essuyer tout le temps. Non, tu es vraiment à l'aise avec ce lait. Alors, pour ceux-là qui veulent vraiment essayer, je vous le conseille fortement. Essayez et dans les commentaires, vous m'en direz. Si ça marche avec vous ou pas, ça marche avec tous les tests. Ajouter, vous voyez, d'autres laits éclaircissants
quand je vais vous éclaircir la peau et tout, vous vous rendez compte tout de suite qu'ici là c'est noir, ça ne brunit pas et tout. Avec ce lait, tu n'as pas de problème, vous voyez, ça a un teint uniforme, vraiment c'est pas un truc de problème. Et vous voyez les doigts, deux fois ici ça c'est sombre, ça sombrit, et ici c'est vraiment clair, on sent que ça a de l'hydroquinone, mais non, vous voyez que ça donne vraiment un teint uniforme partout, je n'ai pas de problème. Et donc voilà les filles, voilà, j'avais hâte de faire cette vidéo parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'avais des boutons, alors là, quel produit je n'ai pas acheté. Et ce lait, alors là, il est formidable. Je remercie le ciel de tout là, je veux même pas m'en débarrasser. Mais je n'ai pas de problème à faire des vidéos si vous en voulez, parce que j'ai testé plusieurs laits éclaircissants naturellement. Parce que je suis d'abord de nature de teint clair, donc je ne voulais pas abîmer mon teint. Et donc voilà, j'ai toujours été à la recherche des laits éclaircissants. D'ailleurs, sur une prochaine vidéo, je ferai la liste des laits que j'ai déjà utilisés naturellement, sans hydroquinone ou avec hydroquinone. Je vais vous faire des vidéos là-dessus, je vous mettrai mes commentaires personnels. Merci, ciao, ciao, bye bye.